Avec ses terribles lames de fond, ses rochers, la superbe côte sauvage de la presqu'île de Quiberon peut malheureusement se transformer rapidement en piège mortel. Mission de ces pompiers d'élite, ici à l'entraînement, aller chercher très rapidement en toute sécurité des victimes dans des lieux très difficiles d'accès, au sommet d'une grue, d'une cheminée d'usine ou dans des toutes petites criques. Ces secouristes sont membres du GRIMP, le groupement de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Pour être opérationnel et former de nouvelles recrues, le GRIMP travaille cette fois sur le domaine public, devant les promeneurs, comme dans des conditions réelles d'intervention. Oui, d'ailleurs, j'ai parlé tout de suite avec un pompier qui m'a dit on a besoin d'être au point, entre guillemets, pour pouvoir pallier à des éventuels accidents. Pour cet exercice, le vent, plutôt violent par moments, va s'inviter. Les pompiers du GRIMP vont faire et refaire les gestes professionnels qu'ils maîtrisent parfaitement. Après avoir repéré le terrain, le choix, cette fois de la tyrolienne, s'est imposé aux sauveteurs. Un médecin a même participé à l'opération, une descente vertigineuse, pour atteindre et soulager la victime. Intervenir avec des soignants déjà formés est un atout pour ces pompiers de l'impossible. Ils sont 46 dans le Morbihan.